fixing. May his name be praised. Amen. 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 We also bless the Father of the house. He is not here, but his spirit is here. Hallelujah. Hallelujah. Maybe someone can ask, how is his spirit here? You know, one day, the prophet Elisha, he was with his servant, and he sent him to do something. And when he came back, the prophet said to him, while you were there, my spirit was with you. So I was able to see what you were doing. Hallelujah. Amen. That is why we say that the spirit of the prophet is here. Hallelujah. Amen. So we bless and we pray for him, so God may be with him, so God can continue to do wonders with him where he is. Can we clap our hands for his life? Amen. I want you to lift up your heart to God. Can Sister Pamela sing for us? The first song of worship you sang. And I want your heart to encounter the heart of God. Because this time is the time of prayer. Allow your heart to encounter God's heart. Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Hey. Yahweh, your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh.
Jesus. Marche au milieu de nous. Walk among us. Et que ce soit tu touches la vie de quelqu'un. And touch someone's life tonight. Que ce soit tu transformes la vie de quelqu'un. Transform someone's life Seigneur, tonight. Marche au milieu de nous. Lord, walk among us. Et touche nos vies. And touch our lives. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Oh dear Holy Spirit, we invite you. Nous voulons que tu viennes. We want you to come. Parce que nous avons besoin de toi. Because we need you. Dans ce mois de prière, nous avons besoin de toi. In this month of prayer, we need you. Nous ne pouvons pas prier sans toi. We cannot pray without you. Nous ne pouvons pas toucher le cœur de Dieu sans toi. We cannot touch the heart of God without nous you. Nous ne pouvons pas entrer en communion avec ce grand Dieu sans toi. We cannot have a communion with this great God without Alors, you. Saint-Esprit, nous t'invitons. So Holy Spirit, we invite you. Parle à nos cœurs. Speak to our hearts. Aide-nous. Help us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant? Can we clap our hands while the choir is going back to their seats? Amen. 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 Je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. I greet you in the name of Jesus Christ. We greet you too. Amen. 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 Merci, Papa. Thank you, Papa. Alleluia. Amen. Alleluia. 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 Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. We are still in the theme of the month pray without ceasing. Alleluia. Amen. And today's theme that the Holy Spirit gave to me. I need you, Holy Spirit. Oh yes. Alleluia. Alleluia. Comment est-ce que je peux prier sans cesse? How can I pray without ceasing? Avec mes faiblesses. With my weaknesses. Avec tout ce qui m'entoure. With all that surrounds. Avec tous les problèmes. With all the problems. Les réalités de la vie. The realities of life. Comment est-ce que je peux garder un état d'esprit de prière sans cesse? How can I keep in that attitude of prayer without ceasing? Alléluia. 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 Ah, c'est pourquoi il m'a dit. That is why he told me. Tu y as besoin. You need me. Alléluia. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. Tu as quelqu'un à côté de toi. Tell your neighbor. Que tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. Alléluia. 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 Nous allons lire d'abord Ephésiens 6, verset 18. We're going to read Ephésiens 6, verse 18. En tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Alléluia. 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 Ici encore, il dit faites en tout temps. He said, praying always. Alléluia. Amen. Donc, tu dois pas arrêter de prier. So you should not stop praying. Il y a deux fois. Because sometimes, vous savez, les paroles manquent. You know, you lack words. Des fois, tu es à court de mots. Sometimes you are short of words. Des fois, tu as l'impression que tu as tout dit. You feel like you have said it all. Et des fois, quand tu regardes à côté de toi quelqu'un qui continue à prier. And you look right next to you, somebody keeps praying. Des fois, tu le regardes une fois, tu dis. You look at them and you say, qu'est-ce qu'il dit encore? What is still have to say? Alléluia. Amen. Mercredi, on nous a dit pourquoi devons-nous prier. Wednesday, they told us why we should pray. La Bible dit parce que c'est un ordre de Dieu. The Bible says it is an order from God. Et même quand tu lis ce verset. And even when you read this verse. C'est toujours à la forme impérative. It is still in the imperative form. Faites en tout temps. Praying always. Donc c'est un ordre. It's an order. Dieu veut que tu pries. God wants you to pray.
pray. En tout temps. Yeah. Always. Sans arrêter. No stopping. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et sur ce, je commençais à réfléchir. And I started thinking. Et à voir qu'est-ce signifie d'abord la prière. And look into what prayer means. On nous a donné des significations. They gave us some definition. Que prier, c'est communiquer avec Dieu. That praying is communicating with God. Alléluia. Amen. Que prier, c'est parler à Dieu. Praying is speaking with God. Mais le dictionnaire me dit aussi que prier, c'est demander. The dictionary also tells me that praying is ask. C'est demander avec humilité. It's asking with humility. C'est demander avec considération. Asking with consideration. Donc quelqu'un qui prie Dieu. So someone who prays to God. Qui s'approche de Dieu. Who draws near to God. Avec un cœur humble. With a humble heart. Avec un cœur de dépendance. With a heart of dependency. Avec un cœur. A heart. Plein de considération. Full of consideration. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc j'étais là, je réfléchis. So I was there and I started thinking. Je dis, Seigneur, priez. I said, Lord, pray. De demander. It's asking you. C'est communiquer avec toi. It's communicating with you. C'est communier avec toi. It's having communion with you. Et comment c'est fait? Cet acte de prière. And how is it done, this act of praying? Et je suis arrivé à donner une définition aussi. And I was able to come up with a definition too. Donc j'ai compris. So I understood. Que prier, en fait, that praying, c'est un mouvement intérieur. It's an internal movement. Alléluia. Amen. Qui se passe à l'intérieur du cœur. That take place within your heart. Une attitude de cœur. An attitude of your heart. Qui se passe au fond de toi. It happens deep within you. La prière ne commence pas extérieur. The prayer does not begin from the exterior. Mais la prière commence à l'intérieur. But it begins from within. La prière c'est un problème de cœur. The prayer it's about your heart. Donc c'est un mouvement intérieur. So it's an internal movement. Tendant à nous unir à Dieu. To unite us to God. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui prie. So someone who prays. Est en train de faire un mouvement. They are making a movement. Est en train de bouger. They are moving. Vers Dieu. Towards God. Et il tend à s'unir à Dieu. And he tends to unite to God. Yep. Alléluia. 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 Donc c'est comme ça. So that is how. J'ai compris quand les disciples. I understood that when the disciples. Avaient demandé à Jésus. They asked Jesus. Ils ont dit Seigneur. They said Lord. Apprends-nous à prier. Teach us how to pray. Donc Jésus a donné un canevas. So Jesus gave like a canvas. Mais pas une récitation. But not a recitation. Il a donné un canevas. He gave a canvas. De plusieurs sortes de prières. Of different kinds of prayer. Alléluia. Et il dit. And he says. Quand vous priez, dites ceci. When you pray, say this. Notre Père. Our Father. Amen. Quand vous dites notre Père, when you say our Father, c'est cet aspect d'humilité. It is that aspect of humility. Cet aspect de dépendance. That aspect of dependency. Vous savez quand un enfant s'approche de son père. You know when a child comes to the father. Il est sans protection. They are without protection. Il est incapable. So he comes to his father. Et il dit, mon père. And he says, my father. C'est cet état d'esprit. That state of mind. Que nous devons avoir quand nous prions. That we need to have when we pray. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cet état d'esprit qui nous fait croire. That state of mind that makes us believe. Dépend tellement de toi. That I depend so much on you. Toute
ma vie ne dépend que toi. My entire life depends on you. Seul toi est capable. You alone are capable. Seul toi peut m'aider. You alone can help me. Seul toi peut me nourrir. You alone can feed me. Il n'y a que toi dans ma vie. It's only you in my life. Alléluia. 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 It is that attitude when we say, our Father. He dit, mon père. He says, my Father. Dieu est ton père. God is your Father. Vous savez, des fois, you know, sometimes nous nous approchons à Dieu, we come to God. Oh, l'Éternel. Oh, the Lord. C'est bien. Oh, yes, it's good. Alléluia. Amen. J'ai entendu un homme de Dieu dire, I heard a man of God say, dit, quand tu invoques l'Éternel, when you call on the Lord, ça implique la loi. It implies the law. Alléluia. Amen. Ça implique certaines conditions. It implies certain conditions. Alléluia. Amen. Ça implique que tu te ranges. It implies that for you to set yourself aside qui juge. Before the Lord who judges. Et l'Éternel qui est là. The Lord who is there. Toi, fais ça. Three times holy. Tu ne peux pas t'approcher. You cannot come to him. Il faut que tu sois vraiment en ordre. You have to be in order. Hey. Mais Jésus a dit, but Jesus said, je vous ai ouvert un nouveau chemin. I open a new path for pour you. L'atteindre. To reach him. Alors quand vous priez, so when you pray, dites notre père. Say our Father. Amen. Hallelujah. Amen. Arrêtez de chercher les dieux de l'Ancien Testament. Stop seeking after the God of the Old Testament. De la loi. The God of the law. C'est vrai, c'est le même Dieu. Yes, he is the same God. Mais nous, but us, nous avons un autre chemin. We have a new path. Pour l'atteindre. To get to him. Qui est Jésus Christ. Jesus Christ. Donc quand je me présente devant lui, so when I present myself before him, it is with assurance, yes. C'est mon père. He is my Father. Alléluia. Alléluia. C'est mon père. My Father. Même si j'ai commis une faute, even if I made a mistake, il ne me tuera pas. He will not kill me. Même si il me punit, even if he punishes me, ce n'est pas pour me tuer. But he's not going to kill me. C'est mon père. He is my Father. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ce mois-ci parle à ton père. During this month, speak to your Father. Vous savez, des fois, ce sont des formules. You know, sometimes they are formulas. Qui fait que nos situations tardent. That makes our situations be delayed. Oh, Narcisse de Sion. Oh, the rose of Sharon. Sometimes what you don't even understand. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ça complique les choses. It complicates things. But there is a path. Papa. Father. Oh yes. Père. Père. Papa. Hello. Hallelujah. Hallelujah. Je me rappelle un jour mon fils a appelé son père. I remember one day my son called his father. Il a appelé, il a appelé, il ne prenait pas. He called, he called, he called, he didn't pick up the phone. Donc la secrétaire a pris le téléphone. So the secretary picked up the phone. Alors, il a dit, ton papa est en réunion. And she said, your father is in a meeting. Il a dit à la secrétaire. And he said to the secretary, va lui dire que tu as Joël en ligne. Tell him that there is Joel in the line. Son fils. His son. J'ai besoin de lui parler. I need to speak to him. His father left the meeting. Alleluia. Amen. Il a quitté la réunion. He left the meeting. Il a dit, excusez-moi. He said, excuse me. Mon fils, my son, m'appelle. Is calling me. Comme il m'appelle, il doit y avoir une urgence. There has to be an emergency. Alleluia. Alleluia. Mais s'il avait dit, but if he said, oh, dites-lui, tell him, c'est un certain monsieur, is this man qui veut voir le directeur, who wants to see the director. You will follow the procedure. Hallelujah. Amen. On va te donner les jours de rendez-vous. They will give you an appointment. Mais il a dit son fils. But he said his son. Hallelujah. 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 Amen.
C'est pourquoi Jésus a dit quand vous priez. That's what Jesus said when you pray. Dites, say notre Père. Our Father. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit doit nous aider. So the Holy Spirit has to help us. À comprendre ces choses. To understand these things. Ici on dit. Hear the say. Faites en tout temps. Praying always. Par l'esprit. With the spirit. Toutes sortes de prières. All prayer. Des supplications. And supplication. Hallelujah. Hallelujah. Comment je veux faire en tout temps? How am I going to pray always? Comment est-ce que je veux parler à mon père? How am I going to speak to my father? En tout temps. Always. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. But they said, by the Spirit, we cannot separate the Spirit from the prayer. Amen. You cannot pray without the Spirit. Romania, can you read a verse for us? Romans 8, 25 to 27. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Can you tell your neighbor, I need the Holy Spirit? Donc, je vais parler maintenant de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Let's speak of the help of the Holy Spirit. I just want to stop here. Mais je vais parler de l'aide du Saint-Esprit. I want to talk about the help of the Spirit. Alléluia. Amen. Quand nous prions, when we pray, c'est tellement difficile de prier sans cesse. It's so difficult to pray without ceasing. C'est une action progressive. It's a progressive action. Prier, praying, c'est comme si tu montais. It's as if you were going up. Mais dans nos faiblesses, but in our weaknesses, dans notre incapacité de communier avec Dieu, in our incapability to communicate, to have a communion with God, the Holy Spirit helps us in our infirmities. Il vient nous communiquer. He communicates to us the strength, la pensée de Dieu, the mind of God. Alleluia. Amen. Il vient nous donner, he gives us à nous. He unites with us. Et il monte ensemble avec nous vers Dieu. And he goes up higher with us, with God. Vous savez, la prière, c'est un mouvement, donc tu montes. You know, the prayer is a movement, so you are going up. When you begin the prayer, tu montes, you go up. Et puis tu montes, and you go up. Et puis tu montes, even higher. Jusqu'à ce que tu vas atteindre les sommets. Until you reach the top. Alors pour atteindre les sommets, in order to reach the top, tu as besoin de l'aide. You need help. Tu as besoin de quelqu'un qui te tient. You need someone to hold you. Et te dit à cet endroit, and say at this moment, Hallelujah. Alleluia. Il nous aide dans nos faiblesses. He helps us in our weakness. Des fois nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Sometimes we don't know the will of God. Parfois nous ne savons pas ce qu'il faut réellement demander. We don't even know what to really ask. Vous savez, il y a parfois des choses que nous demandons à Dieu. Sometimes there are things we ask to God. Ce sont des choses qui seront nuisibles pour nous. These are things that will be useless.
Quand le Saint-Esprit vient, so when the Holy Spirit comes, il prend ta prière. He takes your prayer. Il l'arrange. And he fixes it. Et la formule. And he formulates it. Dans le langage spirituel de Dieu. In the spiritual language of God. La Bible dit qu'il dit à Dieu des mystères. The Bible says he says mysteries to il God. Il dit ce qui est caché en nous. He says what is hidden il in us. Il prend le besoin profond que tu as. He takes the deepest need you have. Et il l'exprime à Dieu. And he expresses it to God. But groans that cannot be expressed. What is the unexpressible groan? Things that the human intelligence cannot understand. So when the Spirit takes it, you don't understand. But he knows that this moment, the enemy is preparing an accident. So by unexpressible groan, he prays on your behalf. Il intercède. He intercedes. Il dit à Dieu, he says to God, operate moi, me. Astride Kamwang. J'ai besoin de ta protection. I need your protection. Parce qu'il y a un plan de l'ennemi. Because there is a plan of the enemy. Il veut me tuer par l'accident. He wants to kill me through an accident. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. That is what the Spirit of God will do. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, faisons confiance à Dieu. Oh, let us trust in God. Vous savez, des fois, nous prions pour quelque chose qui n'arrive pas. Sometimes we pray for something that doesn't happen. Ta prière n'a pas matché avec le Saint-Esprit. Your prayer did not match with the Holy Spirit. Pendant que toi, tu demandes le mari. While you are asking for a husband. L'Esprit de Dieu est en train de demander la promotion pour toi. The Spirit of God is asking for a promotion for you. Amen. Oh, yeah. Hallelujah. Hallelujah. Parce que le mariage n'est pas un problème pour toi. Because marriage is not a problem for you. Quand tu auras la promotion. When you have the promotion. Ton mari c'est le CEO. Your husband is the CEO. Tu vas le rencontrer. You are going to meet him with your promotion. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Dans le Saint-Esprit nous aide. So the Holy Spirit helps us. Parce que nous ne savons pas quoi demander. Because we don't know what to ask. When he comes, il prend possession de toi. He takes possession of you. Hallelujah. Amen. C'est là où des fois vous êtes dans la prière. You know, in the prayer, il y a des langages. There are languages que c'est l'Esprit that the Holy Spirit alone et Dieu entend. And God can hear. Hallelujah. Amen. Amen. Des soupirs inexprimables. Unexpressible groans. Des fois tu peux être là. Sometimes you are just there. Quelqu'un à côté ne peut pas comprendre. Someone next to you cannot understand. Peut-être que tu es là, tu fais ça. Maybe you're just there and you go. Non, l'Esprit a déjà pris possession, contrôle de toi. The Spirit has already taken control of you. Et il exprime des choses compliquées à Dieu. And he is expressing complicated things to God. Des choses que tu ne peux pas expliquer à Dieu avec ton intelligence. Things you cannot explain to God with your intelligence. Et le Saint-Esprit le prend. And the Holy Spirit takes it. Presented to God. Hallelujah. 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 C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. That is what the Spirit of God does. Non seulement tu vas parler en langue. Not only will you speak in tongues. Hallelujah. Amen. Il y a la partie où le Saint-Esprit te pousse à prier en langue. Parce que Paul dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même, son esprit est édifié. Et son intelligence reste stérile. The Spirit can push you to speak in tongues because Paul said when you pray in tongues, your spirit is edified, but your intelligence remains the same. Vous savez quand quelqu'un prie en langue. You know when someone prays in tongues. They are drawing near to God. Donc c'est une communication spirituelle. So it's a spiritual communication. Hallelujah. Hallelujah. Spirit and spirit. Spirit to spirit. La Bible dit, the Bible says, je crois dans 2 Corinthiens 3:18, I think 2 Corinthians 3:18, que quand nous contemplons Dieu, that when we contemplate God, nous sommes transformés. We are transformed. Into his image. Plus tu pries, the more you pray, plus tu
deviens comme Dieu. The more you become like God. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. The Holy Spirit does these things. Plus tu pries, the more you pray, tu parleras comme Dieu. You will speak like God. Tu vas voir des choses comme Dieu. You will see things like God sees them. Alléluia. Alléluia. Tu vas monter, tu vas monter. You will go up higher and higher. Jusqu'à ce que tu seras comme lui. Until you become like Him. Parce que l'Esprit nous transporte. Because the Spirit transports us. And His reflection comes on us. And we become like Him. Hallelujah. 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 I want you to pray. Hallelujah. Amen. Amen. You know you can begin the prayer. Tu sens rien. And you feel nothing. Hallelujah. Amen. There are some people who say, I don't have the Spirit of God because I don't speak in tongues. So the Spirit does not help me. No. No. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You have the Spirit of God. When you say, I'm going to pray, the Holy Spirit comes into action. That is why sometimes when you pray, you will feel you wanted to pray for 10 minutes. Hallelujah. Amen. Oh, I'm tired. Let me pray a little. Then I'm going to sleep. You begin praying. And while you are praying, you feel in your heart, in your spirit, pray for Ella. You didn't plan for that. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. C'est une prière conduite par l'Esprit. It's a prayer led by the Spirit of God. Peut-être tu avais un sujet. Maybe you had a subject. Pour lequel tu avais préparé. For which you prepared. Mais dès que tu commences à prier. But as soon as you begin praying. Ton sujet disparaît. Your subject disappears. Tu commences à prier pour autre chose. You start praying for something else. Tu sens que ton cœur est rempli de compassion pour quelqu'un. Your heart is full of compassion for someone. Your heart is full of your family. Des fois, tu penses à quelqu'un de l'église. So God, you think about someone from the church. Une compassion dont tu ne comprends pas. You feel a compassion you don't et even understand. And you begin to pray for the person. It's the Holy Spirit. He guides you. Il veut qu'en ce moment, he wants that at this moment. Que tu fasses le prier. That is why we need Him. Oh yes. That is why you need the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Oh, glory to the Lord. Can we pray for the Lord? Is someone blessed tonight? Hallelujah. And say thank you to the Lord. His presence, for His Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. I want you to clap your hands. Oh, parce qu'il est là ce soir. Because He is here tonight. Hallelujah. Hallelujah. And I want someone to raise their hand. And say, Holy Spirit, pendant ce mois, during this month, aide-moi. Help me. Aide-moi à prier. Help me to pray. Selon toi. According to you. Selon la volonté parfaite. According to the perfect will of God. Saint-Esprit, aide-moi. Holy Spirit, help us. Saint-Esprit, aide-moi.